désert, des traces poudrées de safran, des taxis blancs, claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, le prix que je paie, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Bonsoir y muy buenos días, dernier détail. Miroir, si has de ser mi espía, derrière un éventail. Madrid, Madrid, me pongo triste al ver lo bien que tú te viste, se van a reír de ti. J'ai pas eu trop de problèmes à vous proposer quelque chose. Il n'existe pas grand chose sur le net au sujet de cette chanson. Donc, je vous retrouve tout de suite pour ce tuto qui n'est pas adapté à des débutants. Nilda Fernandez, Madrid, Madrid. Dans cette chanson, il y a de nombreux instruments, des chœurs, de l'accordéon. Du coup, avec la guitare, on peut pas tout faire, bien entendu. Du coup, j'essaie de vous faire un petit condensé avec quelques phrases qui se font à l'accordéon, notamment pendant l'intro qu'on va voir tout de suite. On va commencer par un La sus 4. Et pour faire ce La sus 4, en fait, on va se positionner en La mineur et on va mettre le petit doigt ici en troisième case de la corde de Si. Et vous allez me dire, évidemment, que ma corde est déjà pincée par mon index à la première case, mais ça va nous rendre service pour le début de cette chanson. Je vais commencer par pincer basse et la corde qui est pincée pour mon petit doigt, la corde de Si, ensemble. Ensuite, je joue corde de Sol, j'enlève mon petit doigt, je pince de nouveau les mêmes cordes que précédemment en La mineur, et je termine cette phrase par corde de Sol, Si et Mi. Allons-y à toute petite vitesse, juste pour ce La mineur. 3, 4 et... Ensuite, je vais répéter la même opération, mais entre le La sus 2, hein, qui est un La majeur en fait, sans le petit doigt, juste en pinçant corde de Ré et de Sol, et toujours le La mineur. Donc, j'attaque pour mon La sus 2 et je fais exactement la même chose, c'est-à-dire 3, 4 et... Faisons les deux à la suite. 3, 4 et... Ensuite, toujours uniquement pour cette intro, je vous propose de faire un AM7. Alors, je pourrais rajouter ici corde de Ré avant de passer au Mi 7e tout en pinçant toujours les mêmes cordes. Et je terminerai par Sol, Si, Mi pour ce qui est des cordes. Allons-y jusque-là, toujours pour cette intro. 3, 4 et... Et là, j'ai envie de faire la petite phrase à peu près qui ressemble que fait l'accordéon pour relier les deux parties de cette intro. Pour faire ces notes-là, on démarre. Seconde case, corde de Ré. Première case, corde de Sol. Seconde case, corde de Sol. Corde à vide, corde de Si. Première case, corde de Si. Corde demi, première case. Et corde à vide, corde de Mi, avant de rattaquer la suite. Faisons juste cette phrase ensemble. 3, 4. Ensuite, on se repositionne comme au début et on va refaire la même chose, au moins jusqu'au Mi, avant la phrase à l'accordéon. 3, 4 et... Et là,
au lieu de faire une phrase, on va juste faire ici, corde de mi, première case, et mi majeur. Alors on n'a pas besoin de pincer quoi que ce soit, moi c'est l'habitude, et on a juste à jouer deux cordes à la fois par exemple, mais à mon avis il vaut mieux marquer le mi, parce que si on se trompe, ça sera quand même juste. Je vous propose qu'on la fasse ensemble, pas trop vite. Alors parfois, je ne joue pas tout à fait ce que je vous ai dit précédemment, mais vous avez la base, hein, si vous vous trompez d'une corde sur l'arpège, il n'y a aucune conséquence. 3, 4 et... On en a fini pour l'intro. À la bonne heure. Pour ce qui est du couplet, on va reproduire quasiment ce que l'on vient de faire, peut-être un tout petit peu plus simple pour nous faciliter la vie pour le chant. Déjà, on va se contenter, au moins pour le premier couplet, de ne marquer que les accords, c'est-à-dire le La sus 4, La mineur, ensuite La sus 2, La mineur. Et là, au lieu de faire AM7, Mi 7e, on va aller directement au Mi en faisant basse, haut. Et pour terminer, ce petit Mi, en fait c'est Fa et Mi, hein, première case, si l'on veut, avec la basse. Comme j'ai construit le document entièrement, parce que ce que l'on trouve sur le net, c'est pas tout à fait ça, il manque pas mal de choses, donc je l'ai écrit moi-même. Du coup, vous pouvez le télécharger en vous rendant alors à l'adresse qui s'affiche là, mais aussi sur le descriptif de la vidéo, vous pourrez directement cliquer sur le lien pour y accéder. Pour l'instant, profitez-en, je parle des nouveaux, c'est toujours sans participation. Allez, 3, 4 et... On recommence. Ensuite, on va avoir le refrain, c'est-à-dire Madrid, Madrid. Pour ce refrain, je vais vous proposer une rythmique. Alors, basiquement, on devrait dire que c'est très proche du feu de camp, mais on va commencer à me connaître, je ne suis pas très adepte de ces rythmiques feu de camp régulières. On va faire quelque chose de beaucoup plus doux et surtout beaucoup moins rempli. Je vous propose de faire ceci. On est en Ré mineur. Attention, Ré mineur. On va ne jouer que 4 cordes si possible, côté main droite. On va faire bas, haut, haut, bas, haut, haut, bas, haut, mi majeur, haut, haut, bas, haut, haut, bas, haut, mi septième. On n'en fait qu'un parce qu'on va profiter pour placer une petite phrase pour aller au couplet suivant qui va faire et. Alors, allons-y pour ce refrain avec la petite phrase en question. 3, 4 et... Pour le couplet suivant. Petite précision, pour ces couplets, notamment lorsqu'on va arriver au second, voire au troisième, on peut, ce coup-là, rajouter toutes les notes qu'on a vues précédemment. Hein ? Mais ça n'est pas obligatoire, peut-être que apprenez d'abord à la chanter au plus simple avec la guitare, parce qu'elle n'est pas évidente à chanter, cette chanson. On en arrive à une partie un peu délicate, parce que pour ce qui est du chant, il y a des chœurs et Nilda Fernandez
qui se chevauchent. Ça veut dire qu'on peut pas tout faire. Donc, il va falloir faire un choix. Moi, j'ai choisi de faire une petite partie en espagnol et de couper un tout petit peu la phrase de Nilda Fernandez pour pouvoir la chanter également. Et pour cette partie-là, on va refaire ce qu'on vient de faire là sur le refrain avec des accords très faciles entre le La mineur et le Mi. 3, 4 et... Et on en arrive au refrain. À l'issue de ce refrain, il y a une partie instrumentale qui se fait à l'accordéon sur les accords de l'intro. Bah, ça nous arrange, on n'a plus qu'à refaire l'intro. Voilà pour ce qui est basiquement des différents rythmes de cette chanson. Après, ça sera que de la redite avec des paroles différentes. Du coup, allons voir du côté du chant. Pour trouver la bonne note pour commencer à chanter cette chanson, seconde case, corde de Do sol et troisième case, corde de Si pour faire une tâche, une ombre. Et ce tâche va arriver sur ce premier La sus 4, ce qui nous fait une tâche, une ombre. Et dans le désert, des traces de poudre et de safran. Ce Fa mi, arrive à la fin de la phrase où il n'y a plus rien. Refaisons ça si vous voulez bien, cette première phrase. 3, 4 et... Une tache, une ombre, et dans le désert, des traces de poudre et de safran. Deuxième phrase. Des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. On en arrive au refrain. Madrid. Alors évidemment, il faudrait le faire l'octave au-dessus. Madrid, Madrid. Et évidemment, j'ai pas la voix de Nilda Fernandez à cette époque-là. Donc du coup, moi je le prends l'octave au-dessous. Et si vous êtes... une femme ou quelqu'un avec la voix au perché, vous pourrez le faire à la bonne tonalité. Madrid, Madrid, le prix que je paie, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Et on attaque. Puerta del Sol, station du métro, sortie vers Plaza Mayor. Je suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop. Une vraie doublure dans un décor. Madrid, Madrid, tu peux me faire signe. Tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi. Et on en arrive à cette fameuse partie où les deux voix se chevauchent. Moi, je vous propose de faire la partie première entière en espagnol, c'est-à-dire bonsoir y muy buenos días. Et là, on va tronquer un petit peu la phrase de Nilda Fernandez qui devrait attaquer en même temps que ce dia pour dire jusqu'au dernier détail. Et on recommence. Mi roi, si has de ser mi espía. Derrière un éventail. Et là, on a supprimé ses yeux parce qu'on ne peut pas les placer. À la suite de ça, on a encore un refrain. Allons-y pour cette partie-là, ensemble. 3, 4 et... Bonsoir y muy buenos días jusqu'au dernier détail. Mi roi, si has de ser mi espía derrière un éventail. Refrain Madrid, Madrid, les choses que je pense sont un petit air d'accordéon rance quand elle n'est pas avec moi. Et là, on rattaque notre petite intro. Vous avez maintenant tous les éléments pour cette chanson, il n'y a plus qu'à faire un petit peu de répétition un peu partout.
Alors, comme c'est une chanson un peu compliquée, je vous propose que nous la fassions entière. Attention, on est un peu plus de la moitié de la vitesse. Hein. Du coup, on va la faire plus doucement. 3, 4 et... Une ombre et dans le désert des traces de poudre et de safran, des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, le prix que je paie, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Puerta del Sol, station du métro, sortie vers Plaza Mayor. Je suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi. Bonsoir y muy buenos días jusqu'au dernier détail. Mira, si has de ser mi espía derrière un éventail. Madrid, Madrid, les choses que je pense sont un petit air d'accordéon rose quand elle n'est pas avec moi. Echando piedras un farol, el meu amor se han derretido con tanta luz y tanto sol. Madrid, Madrid, me pongo triste a ver lo bien que tú te vistes si se han de reír de ti. Bonsoir y muy buenos días jusqu'au dernier détail. Miroir, si has de ser mi espía derrière un éventail. Une tache, une ombre et dans le désert des traces de poudre et de safran, des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, me desesperas de tanto mover las caderas, se van a reír de ti. Bon, il y a eu quelques tout petits accros ou des notes oubliées de jouer, mais franchement, si on la fait comme ça, à mon avis, ça sera pas déjà si mal. Je vous rappelle, je travaille sans filet. Alors, pour cette fin, vous avez vu, dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Hein, il y a des chœurs, il y a plein de choses. Moi, je les ai pas, donc j'ai choisi de faire ce la mineur après ce mi septième. Donc, après notre petite phrase, selon où on la commence, elle va faire ou et ensuite. C'est ça le plus important, je me place en la mineur et je vais faire une petite descente. Ici en la sus 2, pardon, et hammer, première case, puis la petite corde de mi et de nouveau un déroulé. Allez, on fait juste ce la mineur. 3, 4 et... Allez, c'est parti, du boulot pour vous maintenant, Nida Fernandez. J'espère que vous allez y arriver et surtout, tenez-moi au courant, pardon. N'oubliez pas de me faire vos petits commentaires et vraiment, ça me ferait très plaisir.
très très plaisir. Et surtout, si vous aimez pas, n'hésitez pas à le dire non plus, il n'y a pas de problème. Allez, à très très vite pour un nouveau tuto.